Chers amis téléspectateurs et chers amis internautes, un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission que vous avez l'habitude de suivre ici chez nous, mais également sur notre chaîne YouTube CPL TV. Je vous appelle d'ailleurs à vous abonner très massivement. Comme vous le remarquez d'ailleurs, je suis ici devant le palais de la justice parce que nous avons décidé de vous faire vivre un peu cette affaire qui retient la chronique, qui retient l'actualité, l'affaire Moïse Millet. Vous le savez, le pasteur de l'église Bethel est accusé par mademoiselle Eliane des viols et toutes ces choses, avortement et atteinte à la bonne mœurs après avoir diffusé ces images. Et Moïse Millet a décidé comme ça, selon certaines personnes, de lancer une véritable chasse à la sorcière. Batouba Kangami, Jérémy, Biaï, problème Kili Kili, avocat Eliane Babeta qui est massacré, et pourtant Zolo Bakaza innocent. Awatoza, Awatolandi, famille, il y a frère Jérémy. Baïa, on a justice. Parce qu'ils doivent finalement savoir ce qui se passe avec leur enfant, qui est aux arrêts depuis un bout de temps, après peut-être au Kenepé, la famille, à M. Biaï, et puis on tentera d'avoir Moïse Millet. Jusqu'à va nous aider, donc là, nous sommes avec le frère de Yandeko Jérémy. Mon frère, bonjour. Bonjour. Kombo Nonani. Kombo Nangaï Pati, Kombo Famille, Tala Jean Kongolo. Mon frère Tala Jean Kongolo, Yozali Ndeko ya frère Jérémy. Oui, je suis son grand frère, Aessi Manangaï. Donc, il y a un atiké libele, c'est ça. J'ai vu votre grand frère, la famille est visiblement marquée. Situation à nous déranger, famille, en ce moment, sérieusement. Oui, ça nous dérange beaucoup. Nous avons dérangé, parce que nous avons cassé les gens, il y a des gens qui ont parce que c'est un peu vraiment. Avant tout, Kende Nano, Azawapi Jérémy, Negonabino, Bakene Wapi, et les gars qui n'ont pas Azawapi na minute. Bon, Azali, bon, c'est vrai que les gars qui n'ont pas de l'ingaz, d'habitude, nous sommes dans la musique. Azaki na studio, juste sur Prince Kassaboubou, na studio à Giroua, vers 15h-16h, mon gars a Jeep Moko Ewana. Tout le monde était stupéfait na banzela kota mezani nyango juste boy. Ne ba ko se retrouver na Ipekin. Et ba comme na Ipekin wana. Ne to ba boy Jérémy azana na Ipekin. Na Ipekin. Ça fait déjà au quatrième jour où azana Ipekin. Jérémy pendant ba ndoko ba ibite. Est-ce qu'à travailler na Moïse Mbé? Ba na Moïse Mbé. Oui. Même si on ne peut pas se confier à moi, c'est depuis 19 ans, 18 ans où il y a notre travail à Moïse Mbillé. Aujourd'hui, il a déjà dans les trentaines d'âge. Depuis tout ce temps, il était toujours avec Moïse Mbillé. Il n'y a pas de problème, parce que tout le monde a dit que Moïse Mbillé est Sangomabe, il n'y a pas Moïse Mbillé, il n'y a pas Moïse Mbillé à Zandumba, et tout ça, tout ça. C'est faux. Ils ont dit que Jean-Colin Langote, papa et Jérémy, Aza mutoa travaille dans Mboka au Ming Aza Mkonzi a travaillé dans Mboka Jérémy dans l'éducation wana te bazanga ba balati sa wana Aza ndengo wana te alors toujours regretté d'abord Ming na Moïse Mbillé na logo ya sai azosa na petit frère na biso to kanisa peut-être que il na ko protéger ye to na confiance beaucoup plus c'est pas naye tout ce que aneko na ko ba rapport na babio na ko mona na musique et ben na ko comme ça toujours comment est-ce que yem tozo que depuis moi muto faka za na yo kutu bien za ki ndeyo pe yo parce que ozala ki depuis moi na muke mais tozo ka moi Nengenini a commis un niveau na mon abisso. Ça fait déjà 4 jours. Tout ça. Mais bah, reproché, ni tant que vous finalement Jérémy Asselini. Parce qu'il semble que Bakouti na téléphone et photo Moïse Mbillé, Bakouti va photo na téléphone et montage, Asali ba montage contre le pasteur, Azo Luka ça paye image à Moïse Mbillé. Mais ce n'est pas ça, c'est faux. Tout le monde a réseaux sociaux passés par là, ba sali rien. C'est faux et là, ça va na téléphone, il n'y a rien. Dossier, ils a vide. Mais on lui reproche quoi, Bakangeli Yenin, Baolo Basalini. Mais on ne sait pas, comme c'est un dossier personnel. Ce qui peut présent à Kotalangaï, parce que tu as beaucoup plus de confiance dans le président. Soit que tu as vraiment dans l'émission, Oyo, à ça quelque chose. Parce que tu as tu s'accrocher à donc tu as tu s'accrocher payer comme le roi, tu as 8 ans pour payer le roi otage. Donc, il faut que les pouvoir, il faut état de droit. Il doit quand même lui-même, parfois, certaines choses comme ça. Il y a des fois, il faut intervenir quand même. Il faut tout sentir quand même que non, tout le monde a besoin de peuple. Parce qu'il y a le peuple d'abord. Le dossier à Marc, il faut quand même qu'il y ait à intervenir pour tout sentir que nous avons quand même quelqu'un qui nous défend. Parce que dans l'institution, tout le monde a besoin tu as au moins que tu es innocent, mais il y a un dossier qui est. Et comme le roi Bilon, nous avons un problème. Est-ce que Bomo y est? Il est dans quelles conditions? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que vous avez eu le temps pendant ces 4 jours de l'évolution? Il dort seul là-bas.
C'est ça le problème. Il dort seul dans la famille, on l'appelle même pas au téléphone. Pour dire que dans le bouton, il y a une fièvre, il y a une fièvre, on ne sait pas. Et là, on est dans le bouton, tout le monde va répéter. Au normal, on a un peu de temps, on a tout le monde a vu qu'on est salamami, il y a un place de 2 ou 4 jours, pour mettre la prison comme malade et comme l'andana. Il y a 4 jours, il y a un peu de temps. Il y a une possibilité. On ne sait pas. Vous demandez quoi aux autorités avant aussi ça? Na sengi aux autorités à Mboka oyo bazana moli manzambe na kati tambango ba s'impliquer na likambo. Ba s'impliquer na likambo on en a assez na ba problème oyo. Tolembi na Mboka oyo. Na on s'adresse beaucoup plus na Félix Tshisekedi, notre président. À s'impliquer na problème oyo vraiment. Tous a quand même soulagé. Nous voulons quand même sentir que nous avons quelqu'un qui nous défend. Dans des situations pareilles, nous voulons quand même sentir ça. Parce que partout, c'est comme si c'est pourri. C'est comme si partout est pourri. Donc il n'y a rien. Si on voit l'argent, la vie via Bateko, mise en cause. C'est que Mbongo, c'est comme Tamoni Mbongo, via Mouton, comme le rôle est un PC, ça c'est la valeur. On peut les maltraiter, on peut même les tuer. Pour la Nicolas Mbongo. Nous voulons quand même que Félix a s'impliqué dans Makamoutou Yabou. Yemoko. Il faut sentir quand même que non. Tout ça, quand même, il y a un à défendre la Rabiso. Des messages qu'on a lancé, il y a un merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Courage. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on est toujours ici au parquet, au palais des justices. Donc, après le frère de Jérémy, on va finalement prendre son avocat. On est aussi avec son avocat. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Maître Eléter Loukelou Restauré, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes donc dans, avocat de Jérémy? Je suis avocat de monsieur Jérémy Kongolo, bien entendu. Maître, cette affaire de Jérémy est en train de défrayer la chronique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, en fait, monsieur Jérémy Kongolo, mon client, fut l'ancien collaborateur de pasteur Moïse Mbillé. Donc il était son bassiste, il jouait de la guitare chez Moïse Mbillé. Pas seulement bassiste, mais il a joué beaucoup de rôles depuis 2017 jusqu'à arrangeur, tout ça. Arrangeur, les coordonnateurs, chargé de recrutement de plusieurs musiciens. Ce sont ceux-là, ses fonctions, depuis 2017 jusqu'à l'année passée. Et puis bon, après, ils se sont séparés de Moïse Mbillé. Bon, ils se sont séparés, et cette renommée musicale qu'a le pasteur Moïse Mbillé, Jérémy, c'est l'un des gens qui a beaucoup travaillé pour permettre cette réussite-là. Mais finalement, l'année passée, après plusieurs concerts, il a vu qu'il ne se retrouvait pas normalement. Voilà la raison de les séparer. Moïse Mbillé ne respectait pas les termes de contrat qu'il a signé avec Jérémy. Bon, en fait, respecter les contrats, c'est une chose. Il m'a payé quelqu'un par rapport au travail qui est dans tes produits, ça aussi est un autre élément important. Parce qu'avant que Jérémy ne quitte, il a pris soin d'approcher son boss pour lui parler de ses réclamations. Mais dès lors qu'il avait vu qu'il a un grand talent et que son salaire n'a pas été toujours modifié, il était prêt à pouvoir résilier et puis aller et continuer son travail ailleurs. Voilà juste le motif de leur séparation. Maître, mais là, on apprend que votre client est aux arrêts. Pourquoi on l'a arrêté? Bon, ce qui est vrai, notre client est réellement aux arrêts au niveau des pécrimes au commissariat provincial. Il a été la semaine passée, juste le samedi, dans son lieu de la répétition, dans un studio, il répétait avec plusieurs autres personnes, mais il était surpris de se voir entouré de la police criminelle, laquelle police l'avait appréhendé, en arrachant ses biens, du genre l'argent, le téléphone et consorts finalement acheminés. Arrivé au commissariat provincial, il y a eu d'abord des images qui devaient être prises pour envoyer ça à une personne inconnue. Plus tard, il a été une ligne de cible. Parce qu'à ces jours, ils sont en détention. Et ce qui avait fait qu'après l'audition de la police, laquelle police qui s'est organisée d'abord de l'audition à l'absence de son avocat, et cette audition s'est répétée par deux fois avec beaucoup d'intimidation, mais il a persisté dans ce dire, il ne s'est pas déduit, disant que je connais le pasteur Moïse Mbillé comme étant mon patron, mon ancien patron, et nous nous sommes séparés depuis l'année passée, et voilà en ces jours. C'est comme reproche, là je ne connais pas ça. On lui reproche quoi? On prétend dire que celui qui est à la base de répandre
des images vidéo que moi-même d'abord comme intention d'avocat j'ignore. Alors, l'OPJ. Les fameux sextapes de Moïse Mbié qui circuleraient, c'est donc, on dit que c'est Jérémy qui a... Non, Jérémy est innocent. La police qui est saisie a compris pendant l'instruction que Jérémy n'est pas chargé. On a eu des téléphones de Moïse et de Jérémy, Congolais, mon client. On a vérifié partout, on a compris que Jérémy n'est pour rien. Mais seulement ce qui est déplorable, c'est de constater que la police continue de le maintenir, à le garder jusqu'à ces jours. À cet état d'arrestation. Mais donc vous accusez, il y a une main noire, parce qu'il semble que le procureur a écrit pour que l'OPJ renvoie les dossiers ici au parquet, mais c'est toujours pas fait. C'est cette main noire que nous décrions dans le sens que nous avons vu, pour des réseaux d'enquête bien entendu, n'importe qui peut être interpellé. Il a été interpellé. On l'a auditionné, on a checké ses téléphones, on a compris qu'il est ni de loin ni de près. Alors, je pense que la police devait faire un bon travail, soit de libérer Jérémy à son niveau, ou encore de le déférer devant le parquet. Malheureusement, la police n'a pas fait ses devoirs-là. Nous avons saisi le parquet. Il y a une réquisition qui a été décernée. Malheureusement, laquelle réquisition, jusqu'à ce jour, n'est pas exécutée. Et plus grave aujourd'hui, toutes les traces de cette réquisition-là sont disparues. Mais les conditions de votre client, est-ce que il a été gardé dans des bonnes conditions? Est-ce que les droits de la défense sont-ils respectés dans cette affaire? Bon, nous ne saurons pas dire que les droits de la défense a été assuré à 100%. Étant donné, nous connaissons la condition de notre police. Et surtout que lorsqu'on veut pousser quelqu'un à dire ce qu'il n'a pas fait, bien entendu, vous et moi, nous savons par moment quel est le traitement que la police criminelle réserve aux gens. Mais sinon, malgré tout cela, Jérémy Kongolo ne connaît absolument rien. Il n'a rien à foutre dans ce cadre avec le pasteur Moïse Mbié. C'est un homme de Dieu, son à son boss. Ce qui avait fait leur séparation, c'était le butin. Ce qui circule là, Jérémy ne pourrait rien, n'est pas responsable. C'est un monsieur respectueux, c'est un monsieur modèle, quelqu'un qui est grand Dieu, il ne peut pas le faire. Nous dit tout ce que nous demandons et nous déplorons, c'est que ce qui ne lui est pas reproché, qu'on cherche l'auteur de cette affaire-là ailleurs et qu'on laisse Jérémy libre, faire sa vie normale, son don, son talent, plusieurs Congolais en ont besoin, même le monde entier. Alors, un message, un tout dernier message pour les Congolais, pour les gens qui vous regardent, pour les autorités. Ça sera quoi votre message par rapport à ces dossiers? Bon, notre message, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir d'abord nous permettre, comme avocat, de pouvoir émettre notre point de vue, on a contacté M. le bâtonnier avec sa bénédiction. Nous essayons un peu de parler pour les noms et contre de notre client. Nous pensons que nous voulons élever tous la démocratie dans notre pays. Qui dit démocratie, je pense que pour un fait pour lequel je ne suis pas reproché, la justice est dans l'obligation de pouvoir, même d'une manière d'office, assurer ma défense. C'est pourquoi nous faisons appel à l'opinion publique de pouvoir s'ingérer pour que Jérémy, pour que les droits de la défense soient assurés. Étant donné que le dossier est vide, il n'y a pas une simple raison qu'un paisible citoyen continue à en pâtir, à souffrir, rien que parce qu'on veut satisfaire quelqu'un. Franchement, la police devait prendre des dispositions très utiles pour pouvoir se débarrasser de ces dossiers et laisser les magistrats faire un travail équitable. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, cher journaliste. Vous le suivez donc. Nous sommes au parfum de ces dossiers, mais Église du Christ à la maison. J'ai prié à la maison. Parce que Moïse Mbié. Bon, je ne suis pas magistrat, ces fanatiques vont dire que je suis contre lui. On va poursuivre les dossiers, on va tenter également d'entrer en contact avec les avocats des BIA. On a rendez-vous avec eux, suivez-nous, on va continuer ces reportages. Mais ça fait mal, ça ternit l'image de l'Église, ça ternit l'image des dieux. Que les pasteurs soient cités dans des histoires comme ça, des sextapes, Akangisi Batou, Bamassa César Obetama, tout ça, ça ternit l'image des dieux. Et ça nous renforce, nous,
les papes et les fidèles de l'église du Christ à la maison. C'est comme ça. Mais à tout à l'heure pour terminer ce reportage.